Donc la vraie nature de la démocratie actuelle, qui n'est de démocratique que le... qui n'a de démocratique que le nom, c'est l'État totalitaire, c'est-à-dire une caste d'irresponsables et de mafieux qui prétendent être à eux seuls le peuple. Voilà ce qu'il faut entendre par démocratie à l'heure actuelle. Mais la République est au service du Nouvel Ordre Mondial, est au service du monde anglo-saxon, parce qu'elle fait en France ce que même les Anglais ont du mal à faire avec nos frères québécois. On parle plus anglais ici qu'on ne parle anglais au Québec. Alors à un moment donné, il faut quand même se réveiller. Parce que des fois, je discute sur Internet, sur des réseaux sociaux avec des Québécois, ils me disent mais nous, on a la loi 101. On défend. Mais qu'est-ce que vous faites en France? Ah ben nous, par mode, non. On parle anglais, nous, ici, parce qu'on est évolué. On n'est pas évolué, on est couché. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'on est couché. Et on va continuer à se coucher si on ne réagit pas. Alors nous, les sans-dents, d'une certaine manière, parce que nous ne rayons pas le parquet, nous ne cherchons pas à être, à avoir l'égoïsme politicien. Nous cherchons à nous battre pour les autres, pour ceux qui vont venir, pour la France. Disons, vive le roi, en cri d'espérance, en cri d'espoir, en cri de construction. Nous crions, vive le roi, parce que c'est un cri de France. Et c'est demain le cri que la France tout entière voudra pousser au regard de cette République désormais déliquescente, pourrie jusqu'au plus haut point. Vive le roi, vive la fleur de lys, parce qu'elle, elle va vers le ciel, quand eux, ils nous entraînent sous terre. Vive le roi! Ce que je veux dire, c'est que le peuple, à l'époque, la paysannerie, vivait sur des valeurs communautaires qu'on a voulu remplacer par des valeurs marchandes. Le peuple vendéen n'en a pas voulu, il a voulu conserver Dieu et son roi, on l'a massacré, exterminé. C'est un génocide, je ne le savais pas, je suis sûr que vous le savez, mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que venant de moi, il y a un pas énorme que je viens de franchir dans ma conscience et dans ma compréhension de ce que vous faites.